Ça, c'est un meilleur match-up. C'est beaucoup plus lent, du coup. Fun et interactif. C'est ça. Très interactif. Pas de raison pour me soigner pour 12 heures 2015. Non mais franchement, genre, c'était légit de pas se soigner ici. Genre, enfin, ouais, je sais pas. Ça me semblait correct de pas me soigner, quoi. Bon, encore une fois, fais-moi rêver, s'il te plaît, juste pas Kaltuzad dans le 2-8. La musique est trop forte? Ouais, je peux baisser un peu ça. Oh waouh! Shadow Pain. Intéressant. On n'en voit pas beaucoup en ce moment. Mais a priori, il va être obligé d'avoir la deuxième quand même pour gérer ça. On va faire ça. Bon, on aurait dû droit avant, mais de toute façon, pour de mana, il n'y a rien qui pouvait changer notre play. Il peut le soigner effectivement pour piocher une carte, mais de toute façon, il devrait péter. Juste pas Kel'Thuzad. Snit, ce serait fantastique, un truc comme ça, mais pas Kel'Thuzad, s'il te plaît. Sylvanas, c'est très bien. Ce sera juste double vue. Il va certainement être obligé de Shadow Ward dès sa tour. Et moi, je vais sans doute juste rafraîchissement de Vendor et Hero Power au prochain tour. Ça pourrait être redouble vue. Ça dépend un peu de ce qu'il fait aussi. Ok, ce sera Vendor de rafraîchissement et Hero Power. Ça ne change rien. Oh, du bif. Un petit don de Noël. Bisous, proto. Plein d'amour, Kappa. Merci beaucoup, Illusion. Toi. Ça fait plaisir. Merci pour tes streams et ta bonne humeur. Émoticône souriante. Joyeuse fête à toi aussi, mon gars. Enfin, je dis mon gars, c'est un peu sexiste, tout ça, mais... Je prends pas mal si je me méprends. Ce sera double vue. Splendide. Il vient de craquer un Shadow of Death. Donc. LM de terre. Tempête. Fait 3 là. Yes. Boum. C'est plutôt un... Ouf. Light Bomb, ça suffit pas. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? Point du DJ Okawali, pour rester dans le même contexte. Ce sera juste Snid et 14 face. J'aurais bien aimé le Rayon de l'Absin, en vrai, mais je pouvais pas. C'était pas. Enfin, c'était vraiment important, je pense, de Snid à ce tour. Même si sur Light Bomb, après il peut prendre ce trade là, je pense que ça vaut le coup de le faire. Il pourrait même décider de ne pas le prendre, ce trade-là, en soi. Ce serait une erreur. Ok. Ah, ça, c'est pas la meilleure. Du coup, ce sera juste Hero Power, Croc Zombie. Et il va nous falloir Kel'Thuzad, parce qu'il y a déjà Sylvanas qui est passé avant le... avant Snid, et les double LM de terre, donc techniquement, c'est ma dernière win condition. Mais il a déjà craqué...
Le plus relou, cela dit. Bon, apparemment, il a pas de cabale, parce que ça, c'était plutôt une bonne cible. Ragnaros pourrait être fun dans ton deck avec Baron et Reincarnate. Ouais, mais c'est quand même pas la folie. Il y a des trucs plus rigolos comme combo à faire avec la réincarnation. Et éventuellement, si je voulais mettre un drop à 8, je pense que je mettrais sans doute quelque chose comme... mince. Je vais y arriver. Alakir. Voilà. Pour le burst. Parce que ça marche vachement bien avec réincarnation aussi. Spellpower Totem. Never Spellpower. Est-ce que je veux la craquer tout de suite du coup? Il doit tellement se demander ce que c'est, maman. J'ai tellement d'avance sur la fatigue en plus. Non, ça sera juste face. Bande de trolls. C'était quoi le misplay? Ah non, oui, c'était le fait d'avoir d'avoir joué le Sneed avant de taper. J'ai décidé après, c'était trop débile. Sur Spellpower Totem, je peux clear tout avec Maléfice. Je suis même pas vraiment certain d'avoir envie de le faire à ce tour. Peut-être un peu plus depuis que j'ai l'Orion de Lave. Le problème, c'est que j'aurais plus vraiment de solution pour quelque chose de plus gros. Et que je semble avoir encore un peu le temps, mais... Si je trouve KT au prochain tour, j'ai envie que le board soit setup pour... C'est pas du tout un problème. Ça va très bien. Ah. Never KT. Mystère et boule de gomme. Mais dis-moi, Koufen, ça va très bien, toi. Come on! Je peux pas me permettre ici de jouer l'Ancestral Spirit. Si je me fais un temps, j'aurais l'air trop stupide. Mais yo Bobby. Ah, mais quel Thuzad! Ah, t'aurais pu tuer ça, moi. Come on. Je vais juste me faire cabale si je le joue. Ça a vraiment aucun sens de le faire maintenant.
Ce vol d'esprit, mon dieu. Bref. Voilà. Pourquoi je me fais ça? C'est Chris. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Chris? Qu'est-ce que tu veux? Le mec, il m'envoie un SMS. Aïe! Écris dans le chat! Attends! Calmez-vous, c'est pas épique là, enfin. Il m'a encore volé deux Kel'Thuzads? Ou un Kel'Thuzad réincarnation? Non mais t'es sérieux? Genre c'est pas possible! Pas fort! Je crois que je la gagne quand même. Au pire, je peux le tuer au totem de heal après. C'est un plan. C'est tellement improbable comme partie, what the fuck. Là, tout va bien. Je crois qu'il faut le tuer à la fatigue avec les vagues de soins aussi. C'est parfait. C'est grandiose. C'est splendide. Genre, ah là vraiment, je suis comblé. J'en ai la larme à l'œil. Il est tellement splendide ce deck. Il est tellement parfait.